Here in France, and especially in Paris, the wines of Château Aubryon became famous. The great French family, the Pontacs, took their wine, Château Aubryon, to London in exactly 1666. Today, we are taking a page out of the Pontacs' book by doing 8 major events in 8 of the world's most important cities, starting here in Paris tonight, trying to share these wines as the Pontacs did. It's our first celebration of the 75th anniversary of the acquisition of Château Aubryon by my great-grandfather Clarence Dillon. Donc voilà, c'est le vin qu'on pensait servir au dîner, donc du Aubryon bien sûr, mais du Aubryon blanc. C'est en 2 millésimes, un millésime jeune 2005, un millésime moins jeune 93. Le sémillon apporte ce côté un peu mielleux, à la fois la largeur qui est apportée par le gras du sémillon, à la longueur parce que le vin est porté par la fraîcheur du Sauvignon blanc. J'ai envie de partir sur un homard. Puis homard, on est dans la saison de la girole. Je marie toujours mes girolles avec l'abricot. Il y a un petit côté iodé, un petit côté salin. Tu sais, en ce moment, on est sur les grenailles de Noirmoutier. Ils les élèvent sur du goémon, sur des fins poussées sur des algues. Tu retrouves ce côté un peu de noisté d'une herbe. On peut partir sur peut-être un peu de verveine ou quelque chose comme ça.